j'ai commencé à comprendre que, en fait, attends, il n'y a aucune décision que tu vas prendre qui est mauvaise. Il n'y en a aucune. Trop bien, je suis contente là. Quand on s'écoute, tout va mieux. Genre, bonne humeur, genre, waouh! Bien sûr que oui, en fait, c'est ça dont j'ai besoin, c'est d'un goûter comme les gosses. Hi guys, welcome back on my channel. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une merveilleuse semaine et que vous êtes prêts à enchaîner sur une bonne semaine. Je vous avoue que j'étais un peu en mode, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, parce que vous savez que j'aime bien sortir, j'aime bien quand on fait des trucs et tout. Il fait pas très beau et surtout j'ai l'impression que beaucoup de mes vidéos, bah, je les planifie vachement, je sais ce que je vais faire. Et moi je suis très comme ça, très à planifier, mais je me suis dit là j'ai envie un peu de laisser les choses se faire, faire des choses qui me font du bien mais sur le moment et pas forcément réfléchir et être vraiment dans l'instant présent, juste là j'ai envie de faire ça. On va commencer par appliquer ça par le fait que je vois que j'ai des bananes qui sont en train de fatiguer et j'ai vu hier une recette de banana bread et du coup je suis en mode, en fait j'ai envie de me faire soit ça soit des pancakes, un sachet de levure G, pincée de sel, cannelle moulue. Sans ça, j'ai pas de beurre, donc il me faudrait du beurre. Allez, il y a de la cassonade aussi. Ok, j'ai ma recette, on n'a plus qu'à aller faire les courses, comme ça on va prendre un peu l'air aussi. C'est parti. Des courses et en fait il y a un truc qui était bizarre, genre je filmais et tout mais j'étais pas dans le mood, j'étais pas, enfin je sais pas, j'étais en mode ouais ça, alors que d'habitude moi quand je filme, enfin c'est ma passion donc je le fais, mais là j'étais en mode, c'est pas que ça me saoulait directement mais j'étais en mode, je sais pas, ça vibrait pas en fait, ça vibrait pas en moi. Je me suis dit mais attends, le sujet de ta vidéo c'est quoi déjà? Faire avec le flow, et aujourd'hui tu te sens pas de filmer, t'as pas envie de filmer en fait, et demain tu peux filmer parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Et demain c'est samedi et je pose ma vidéo dimanche, donc je peux filmer samedi. Je t'envoie de matin, mais pourquoi tu filmes pas demain tout simplement? Là j'ai mes potes qui veulent venir, du coup je suis en train de leur dire écoutez, je suis en train de filmer ma vidéo YouTube, ça va être compliqué, j'ai envie de cuisiner, je me suis dit je vais leur faire des petits pizza bun et tout machin ce soir pour les accueillir chez moi et tout. Maintenant je suis plus dans ce mood là de déconnecter un peu, je pense, de profiter de mes amis, d'être dans le moment présent. Et du coup c'est le thème de la vidéo. Je vous jure que ces vidéos c'est pas juste des paroles en l'air, c'est mon apprentissage de la vie. C'est trop, genre, vraiment. Aujourd'hui, je sais que mon corps et mon cœur et mon esprit n'est pas disposé à filmer. Il veut juste vivre l'instant présent. Donc c'est ce qu'on va faire et on se retrouve demain. Et demain, je serai totalement disposée à filmer et tout ira mieux. J'ai l'impression d'avoir enlevé genre 10 tonnes de mon corps et d'avoir fait genre... Oh, je me sens libérée. À demain, du coup. On est de retour. On est le samedi et là franchement je suis tellement plus disposée à filmer. Déjà ce matin j'avais besoin de me reposer et tout, du coup je me suis reposée, là il est midi, le temps que je me prépare et tout. Je vais me lever super tôt mais vraiment j'ai chillé dans mon lit tranquille, j'avais besoin de ça. Et après je sais pas, j'ai pris ma douche et l'énergie est revenue et je suis grave prête à filmer et grave contente. Donc je vous avoue que cette journée je l'ai pas préparée, je sais pas exactement ce que je vais faire, je sais pas, on va juste aller avec le flow. Tout ce que je sais c'est que là j'ai envie d'enlever ma coupe parce que genre j'en ai marre, j'ai besoin d'avoir mes cheveux. Bah c'est clairement le genre de truc que je planifie de ouf, genre j'enlève tel jour machin, là j'ai juste envie d'enlever, j'enlève. C'est tout, il n'y a pas besoin de réfléchir de ouf. Cette vidéo vraiment je la fais parce que au fond hein, je suis la plus grande des control freaks. Genre vraiment hey, j'aime trop tout contrôler. Cette vidéo clairement le but c'est juste de voilà laisser faire pour une fois, je sais pas ce qu'on va faire de ma journée, juste de m'écouter tu vois. Parce que des fois à force de contrôler du coup on s'écoute pas, parce qu'on est en mode oui alors techniquement faut faire ça parce que ça c'est mieux. En fait enfin genre hier je vous jure j'étais en train de filmer et genre tout dans mon corps me disait j'ai pas envie, c'est pas aujourd'hui que tu dois filmer, ça sera peut-être. Et des fois c'est même parce qu'il y a un truc de mieux qui t'attend le lendemain ou tu sais pas en fait. C'est facile à dire hein. Moi je vous dis ça mais je reste une meuf qui essaye de contrôler, mais vraiment j'essaye de lâcher tu vois. Je finis dans l'émission, on se retrouve après. Mais en fait ça va être ma nouvelle coupe, enfin genre oh, derrière. Aussi j'ai réussi à quand même garder du volume. Et pas que ça fasse genre plein devant et derrière, voilà. Il fallait que je comprenne que ça c'était aussi une de mes nouvelles coupes, genre. Même l'été je peux porter ça, bon après j'aurai un peu chaud. Bon là j'ai filmé grave des trucs, je suis grave dans un mode créatif. C'est horrible que les journées elles aient pas autant plus de temps. Parce que j'ai vraiment envie de créer toute la journée, mais genre pendant deux jours sans que ça soit une... Bon. Est-ce qu'on va au musée? Il y a une expo que j'ai envie d'aller voir. J'ai envie de voir des trucs qui vont un peu me stimuler. Moi je suis dans un mood musée, ça fait très longtemps que je suis pas allée. Et il y a le Quai Branly, et le Quai Branly c'est gratuit. Bon c'est pas ouf, mon avis il est grave mitigé sur cet endroit parce qu'il y a tellement de choses qui sont volées.
Après, c'est un peu genre beaucoup de musées. Surtout en France et en Occident, je pense, en général. Mais du coup, là, il y a une expo qui s'appelle Vision Chamanique et j'ai grave envie d'y aller depuis, ça fait longtemps. Alors, réservé. On va mettre quoi, 15h ou 15h30 je pense. Si on met la séance de 15h30 c'est bien, le temps qu'on y aille. Genre parce que là depuis je fais des trucs en mode seul et tout, c'est bien, mais j'ai pas vu d'autres arts ou d'autres trucs comme ça. Genre des fois t'as juste besoin d'aller un peu de regarder d'autres trucs ou t'informer etc, qui te mettent dans un certain mood. Et après ça, genre je trouve ça recharge, tu vois. Je pense que c'est juste ça que j'ai envie, genre d'aller recharger mes batteries. 36 minutes. Donc du coup faut partir à 50, donc là on va pas tarder à partir comme ça on sera à l'heure. Trop bien, je suis contente là. Quand on s'écoute tout va mieux, genre trop d'une bonne humeur, genre waouh. Et j'écoute ce son en boucle. Du contenu, vous savez, ça demande vraiment de pas avoir honte, hein. Vraiment. Que ça a été une épreuve, genre juste pour avoir la paix, et je sais même pas parce que je suis posée dans un endroit vraiment un peu caché, genre enfin en mode c'est du coup dans le jardin du Quai Branly et dans un petit espace et tout. Mais c'est vrai que comme il y a du monde qui passe, je pense que les gens ils sont un peu en mode qu'est-ce qu'elle fait et tout, mais d'habitude les gens s'en foutent et là je suis choquée, genre tout le monde calcule. J'étais en train de filmer mais on m'a viré du coup parce qu'il faut une autorisation de filmer, ce qui fait que je savais pas où aller. J'étais un peu en mode ok je vais où, parce que c'était trop beau, en plus j'ai la haine, c'était trop mignon et tout. Mais bon, je m'en doutais un peu, souvent dans les musées les trucs comme ça, faut avoir l'autorisation de filmer. Et puis tout le monde me regardait, genre je sais pas, ici c'est parce qu'il y a beaucoup de touristes, d'habitude les Parisiens sont pas choqués de voir quelqu'un en train de se filmer, mais là ça les choque genre fois 1000. Donc du coup je pense que je vais rentrer vers chez moi, on va aller se poser dans mon parc. Et j'ai envie d'un peu aller dessiner et tout, donc je pense qu'on va faire ça. Trop de stimulation. Déjà à l'intérieur, il y avait grave du monde dans le musée, genre. Marcher un peu vers là-bas. En vrai, j'ai profité. Avant, je me suis déjà posée toute seule. Donc sachez que en vrai, pas filmé, mais en vrai, j'ai profité du moment. Ah, oh, c'est beau. En vrai, Paris, des fois, je me rappelle que c'est beau. Regardez. Je vous jure, là, je erre. Genre, ça me fait trop rire parce que je sais pas, mais je sais en même temps. Genre, je suis en mode bon. Bah on n'a pas pu faire ça, tant pis, c'est pas grave, on va faire autre chose, tu vois. J'ai envie d'aller dessiner en fait. Venez, on va prendre mes crayons et on va dessiner genre en mode dans le parc. Ça serait marrant un peu, non? Donc on va se poser, on va prendre des feutres et des crayons et j'ai un truc de dessin et on dessine. Je devais faire ça avec la vidéo, vous savez, avec maman de base, je devais faire ça. Mais finalement je l'ai absolument pas fait, du coup je me dis on peut le faire là. Et il fait bon et on se prend un truc à manger, genre petit goûter. Oh là là, mais bien sûr que oui, en fait c'est ça dont j'ai besoin, c'est d'un goûter comme les gosses en train de dessiner. Comme ça on peut parler, tu vois, mais en même temps on s'exprime artistiquement parlant. Bon, on est là, on est posé. En fait, je suis morte parce que genre, je suis toujours en nature quand je fais mes vidéos. Genre, faut que j'arrête vraiment, on dirait mère nature, je peux pas être posée chez moi. Et en fait, le temps, même s'il fait pas beau, genre j'aime trop le temps, je suis trop contente d'être là. Ma journée là, elle est parfaite en fait, juste d'être là, tranquille. Il y a des enfants partout, il y a des parents qui marchent avec leurs enfants, c'est trop mignon. J'ai pris, regardez, ben c'était ça que j'avais acheté quand j'étais partie avec ma mère pour on voulait filmer, etc. Et du coup, c'était ça qu'on avait pris, les mandalas à colorier. Et j'avais commencé le soleil. I'm back, boy. J'ai écouté Anti, genre l'album de Rihanna. Quel banger intergalactique, genre. Il est vraiment... Des fois, j'oublie. Tu sais, c'est tellement des albums qu'on a poncé que tu oublies de les écouter. Et quand je l'écoute en boucle, je suis en mode, mais waouh. Bref, je sais pas où est mon soleil. Ah voilà, il est là. Il avait commencé, mais c'est tellement long. Genre vraiment, ça.
puis ne pas dépasser, c'est compliqué. Hein. Franchement, ça me fait trop rire comment ces vidéos. Genre, c'est pas en mode je les planifie. Déjà, faut savoir que ces vidéos, à chaque fois quand je les fais, je suis toujours en mode qu'est-ce que je fais. En fait, jusqu'à. Non, généralement, je filme en fin de semaine, donc le vendredi ou le samedi. Là, on est samedi, hier, parce que j'arrivais pas à filmer. Du coup, jusqu'au jeudi, c'est tout le temps dans ma douche que j'ai mes idées de vidéos. Et là, il y a une idée toujours de vidéo qui me vient et je suis en mode ok, c'est ça que je dois faire. Mais en fait, c'est parce que c'est des sujets que je vis vraiment. Genre en mode c'est pas juste vouloir faire du développement personnel, c'est vraiment des trucs que je vis vraiment. Genre là actuellement vraiment cette histoire de contrôle et surtout un truc c'est que les choses elles arrivent pas pour rien. Genre vraiment et ça c'est un truc en fait à partir de là je pense que c'est là que j'ai compris que ça servait à rien que je contrôle parce qu'il y a des trucs des fois qui sont mauvais, tu te dis putain péché pourquoi ça m'arrive, pourquoi il y a ça et tout machin. Et en fait tu te rends compte que c'était clairement un truc qu'il fallait qu'il arrive. Soit pour t'apprendre un autre truc pour quelque chose de plus important après, soit parce que c'était pas bon finalement sur le long terme, soit c'était. Et du coup, certains échecs, c'est vraiment genre des blessings au fur et à mesure parce que t'es en mode putain, mais en fait, si ça m'était pas arrivé comme ça, si ça s'était pas passé comme ça, ben en fait, ma vie là actuellement, ça serait pas. Genre, je pourrais pas être à ce stade. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai commencé à comprendre que, en fait, attends, y a aucune décision que tu vas prendre qui est mauvaise. Il n'y en a aucune. Tu es dans un apprentissage toute ta vie. Et du coup, la décision que tu vas prendre à ce moment-là, et ben elle sera forcément bonne parce que même si. Tu perds quelque chose, mais tu perds pas vraiment parce que t'en apprends un autre. Et du coup, je suis en mode, mais attends, mais oui, mais j'ai pas à me prendre là. En fait, j'ai juste à vivre et à faire ce qui me semble juste à ce moment-là. Et si c'est pas ce qui était le plus juste, ben c'est pas grave parce que je vais apprendre, tu vois. Et au fur et à mesure, c'est vrai que quand tu fais le bilan de ta vie, t'es en mode, bon, c'est vrai qu'il y a plein de fois où ce que j'ai fait, c'était peut-être pas ce qu'il fallait, enfin, ce qui semblait le mieux avec du recul. Mais finalement, ça m'a appris ça, ça, ça. Ça m'a permis de faire ça, ça, ça. Et du coup, ça m'a enlevé tout. En fait, je me suis enlevé une pression. Et même là, en le redisant, ça m'enlève encore une pression. Je vous dis, ces vidéos, en fait, c'est vraiment genre moi qui grandis avec vous à la caméra. Mais en fait, vraiment. Alors, mes cheveux, par contre, ça me fume parce que, du coup, avec le vent, voilà. Bref, vous calculez pas. Ça t'enlève un poids. Sache que tu peux pas prendre de mauvaises décisions en fait. Parce que même si, oui, certes, sur le moment, peut-être ça va être une catastrophe. Bon, après, faut pas non plus tuer quelqu'un et dire ah. Oh, j'ai appris qu'il fallait pas tuer les gens. Bon, on s'entend bien évidemment, tu vois. En mode dans, je sais pas, un deux jobs que tu devais choisir, t'en as choisi un, peut-être c'était pas le bon, mais finalement il t'a. Des trucs comme ça, tu vois. Bonjour. En fait, ouais, juste vis et essaye de. Tu vois, arrête de vouloir contrôler ce que t'as là. Parce qu'en fait, tu te fermes à certaines choses. T'es tellement figé. J'étais un peu de ce genre. Genre en mode, là actuellement je suis célibataire. Et je vais dire, ah non, 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 là actuellement je suis dans ma période où. Je dois être célibataire pour grandir. Je dois faire mes voyages. Je dois profiter de mes amis. Je dois. Ok. En vrai, c'est mon état d'esprit actuellement. C'est vraiment de vivre ce célibat de façon à ce que je le vive. Enfin, à grandir en fait. À grandir avec moi, apprendre à me connaître. Mais en même temps, avant, j'aurais été du genre à dire voilà, je suis à cette période-là. Si je rencontre quelqu'un qui ben, me plaît, non. Non, non, non. Je dis non et je veux pas. Mais en fait, là, Kendra, tu te fermes à tellement de trucs parce que peut-être que là, déjà. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, c'est juste pour t'apprendre des choses. Moi, j'ai compris ça. En tout cas, moi, je pars de ce principe. Il y a des gens, ils sont là pour t'apprendre. Et ils vont être là juste pendant une période. Et après, ils s'en vont. Et je sais vous aviez été plusieurs à m'envoyer des messages par rapport à des ruptures ou des ruptures amicales, même qui vous ont blessé. Moi, j'ai été détruite par une rupture amicale. Ça m'a, genre, pris des années à m'en remettre. Genre, vraiment, j'ai compris que l'amitié, c'était pas des lol, tu vois. Mais en fait, ça m'a appris tellement. Ça m'a appris tellement et Dieu merci que j'ai eu ça en fait. Et du coup j'ai compris que tu vois, ça a peut-être pas été cette amitié ou mon ancienne relation, ça a peut-être pas été jusqu'au bout. Mais en fait, que Dieu bénisse ces personnes d'être rentrées dans ma vie parce qu'elles m'ont tellement appris. Parce que les gens en face de toi te renvoient à des choses que t'as pas. Elles te renvoient à des choses, à des insécurités. Elles te font sortir de ta zone de confort. Et en fait c'est tellement important et du coup... C'est pour ça que je me laisse aller aux personnes que je rencontre parce que déjà je crois en mon énergie, je crois au fait que j'attire les gens qui me ressemblent. Passage sur terre là, on n'a pas le temps de se gâcher la vie pour des trucs, enfin à vouloir tellement tout contrôler, enfin ça sert à rien parce qu'au final ben tu contrôles rien en fait. T'as beau essayer de prendre, j'ai toujours fait ça. Moi dans ma vie j'ai toujours voulu essayer de prendre les bonnes décisions. Voilà, ce qui allait faire plaisir à papa maman, ce qui allait faire plaisir à un tel. Je me retrouvais à me dire qu'à la fin mais en fait je fais des trucs qui me plaisent pas. Là, actuellement, la situation dans laquelle je suis, ça me va pas. Au final, non. Une de mes grand-mères m'a dit, et d'ailleurs, ça, c'était mon voyage de l'année dernière, c'est ça qui m'a appris quand je suis allée au Gabon. Et là, vous allez la voir, vous allez la revoir, on va refaire des vidéos ensemble avec une de mes grand-mères et même avec les deux. Elle m'a dit, Kendra, moi, ce que je fais, c'est que quand il y a un truc que j'ai envie de tester, que ça me semble bien et que je fais de mal à personne et que je trahis pas mes principes, je fonce. Sugar.
vibe beaucoup plus calme là. J'étais avec ma pote, après il y en a une autre qui est venue, on a chillé, on a parlé, etc. Là elles sont parties, j'ai pris ma douche et j'avais besoin de juste me poser. Je vais faire des dessins, je vais avancer. Moi j'ai pas avancé, mais ma pote pendant qu'on parlait, elle a passé toute la soirée à faire le sien. C'est grave joli. Du coup voilà, ça m'a fait du bien cette journée parce que vraiment je trouve qu'elle était parfaite à sa manière, tu vois. J'ai rien vraiment planifié, j'ai pas été en mode ouais je dois faire exactement ça ou je dois, tu vois, j'ai juste laissé les choses se faire. Ça donnait pas mal de réponses à certaines de mes questions où j'ai compris qu'en fait quand tu fais les choses bien ça va aller, tu vois. C'est vrai que je vous dis tout ça en mode ouais je sais que maintenant genre il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions à prendre, etc. Mais en vérité je suis comme plein de gens ici, genre j'ai peur, des fois. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de... Je pense qu'on est plein en vrai, tu vois, on est plein à se dire merde, genre qu'est-ce que je fais bien. Vous savez que genre celui qui fait ça là, je l'aime trop. Oh ma vie. Je vais juste dessiner et laisser mes idées couler, genre. Zone là et je suis en train de me dire parce que je dessinais genre je dépassais et je me dis putain mais pourquoi c'est pas parfait genre. Et en fait je me suis rendu compte que et pourquoi on essaye trop d'être parfait comme ça, en fait ça ma question et ça me bloque dans ma vie des fois parce que je suis tellement bornée que ça soit parfait, que quand on aille sur mon Instagram qu'on se dise waouh elle a grave évolué, elle a grave des abonnés, elle a grave une bonne communauté, alors que ça prend le temps que ça prend. Et s'il y a quelqu'un qui est pas content, comme je vous dis, hein, portez là-bas. T'as construit mon monde, t'as mis la pierre à l'édifice, portez là-bas. Et souvent, les gens qu'on a peur qu'ils nous jugent, hein, eux-mêmes, soit ils font rien, soit eux-mêmes, ils galèrent. Donc arrêtons de vouloir être parfait, en fait. C'est tout. Tu suffis, d'accord? Juste toi, être toi dans ce monde, ça suffit. Pas besoin de te changer pour plaire à Pierre ou Polo, à Jacques. Toi, juste toi, ton toi plein, en fait. Parce qu'il y a personne d'autre qui est comme toi. Tu changes pour plaire aux gens, bah tu te plairas plus à toi. Ouais. Donc arrêtons de vouloir être parfait. Et on dépasse quand on fait des dessins. Et alors, c'est la vie, des fois on dépasse. Je vais me coucher, je suis fatiguée. Je vous fais des gros bisous. Il me reste plus qu'une minute sur ma carte SD, donc c'est parfait. Je pense qu'il est temps qu'on aille dormir. Je vous envoie tout l'amour du monde. À dimanche prochain. Je l'aime de tout mon cœur. Et lui, tu vois, il est pas en train d'essayer de contrôler, lui. Hein. Et clairement, il est juste en train de kiffer sa vie à jouer de son instrument. Donc c'est ça qu'on veut. Kiffer votre vie, c'est tout. Regardez comme il kiffe. Oh, je l'adore. Vive les humains comme ça. Vraiment, vive les humains comme ça.